Que faire pendant que je jeûne? Le jeûne va demander que tu te prives de nourriture ou bien encore de chocolat. Que ton mari et toi, vous abstenez du chocolat ou bien que je te prive de TikTok, peu importe. Donc pendant le jeûne, quand tu fais ton bain de sel le matin, si tu peux, avant de partir au travail, assois-toi 5, 10 minutes, 30 minutes si nécessaire. Ne mets rien pour écouter. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te montrer la prochaine direction que tu es en train de prendre dans ta vie. Parfois, tu fais des prières et les prières que ce que tu demandes, ce n'est pas vraiment, vraiment ce que Dieu a pour toi. Ça, c'est aussi l'une des causes pour lesquelles vous êtes frustré. Donc, tu peux dire, montre-moi, Seigneur. Parfois, tu fais ton bain de pipi pendant que tu jeûnes. Tu reviens encore te coucher, même 30 minutes. Tu mets ton alarme avant d'aller au travail. Donc, quand tu t'assois là, tu restes seulement comme ça. Tu peux aussi mettre ta... Tu prends la Bible, tu lis. Donc, aujourd'hui, on a lu le psaume 118. Tu lis. En lisant cette Bible, si jamais tu sens un truc qui te... Parfois, en lisant, tu peux sentir comme une parole de consolation qui sort dans la parole. Tu es en train de lire, mais le Seigneur te dit, aujourd'hui, je crée un chemin dans le désert. Aujourd'hui, je vais aplatir tes montagnes. C'est un passage que tu es en train de lire, mais quand tu lis, tu sens comme si ça te parlait. Arrête-toi. Médite dessus. Ah, mais Seigneur, je reçois cette parole. Je reçois. Si tu me dis que tu vas descendre ma montagne, ça veut dire que les frais de visa de 2 millions là, que je n'ai pas depuis là, tu vas me donner ça. Je reçois. Je reçois. Dieu peut te mettre aussi à cœur de prier pour ton fils, ta fille, ton neveu, ton frère. Maintenant, sachez discerner quand vous jeûnez. Parce que parfois, en jeûnant, vous voulez être le gentil garçon de tout le monde. Or, ces personnes vous détestent amèrement. Donc, tu choisis aussi les causes pour lesquelles tu vas vraiment t'investir dans la prière. Mais aucune prière n'est jamais perdue. Aucune intention de bien. Parce qu'on te bloque en méditant ta perte. Maintenant, si tu décides de méditer le bonheur de quelqu'un, tu es en train de prier pour cette personne. Et en même temps, tu es en train de récolter les bénédictions qui s'attachent à cet acte. Parce que tu peux pas vouloir le bien de quelqu'un. Tu peux pas vouloir le bien de quelqu'un et du mal t'arrive. Parce que quand tu veux le bien de quelqu'un, quand tu émets une idée positive, ça vient avec une force. Voilà. Et surtout quand tu jeûnes, le soir quand tu casses le jeûne, c'est-à-dire quand tu commences à manger à nouveau, quand tu commences à aller sur TikTok à nouveau, ou bien quand tu décides, bon, ok, on peut maintenant manger le chocolat. Donc quand tu décides de casser le jeûne, tu dois faire une offrande, orphelin, démuni, peu importe. Voilà, si je sais que tu dois avec ta dîme, tu dois Dieu, paye-le, paye ta dîme. Voilà. Tu avais des choses que tu n'utilises pas, opportunité pour donner aux gens. Évitez un peu de donner vos habits aux gens. Même pas trop. Parce que quelqu'un peut prendre tes habits pour être bloqué avec. Et on sait que les habits portent la puissance. Donc, écrivez aussi ce que vous demandez. Vous mettez la date et l'heure. Voilà, tel jour, j'ai demandé ça à Dieu. Et c'est aussi là que vous devez noter vos rêves. Et parfois, certains parmi vous, vous ne vous rappelez pas de vos rêves. Mais les gens, généralement, si vous avez développé la capacité de marcher, d'entrer dans les rêves des gens pour les guérir, les gens vont souvent venir vous dire, j'ai rêvé de toi. Quand on vient vous dire, surtout quand tu jeûnes, ne négligez plus quand quelqu'un a rêvé de vous. Parce que pour beaucoup d'entre vous, parfois, ils vont vous parler à travers les rêves des gens. Parce qu'ils savent que quand vous atteignez une certaine notoriété ou une certaine dimension spirituelle, l'ennemi va jouer avec votre mémoire, par exemple. Tu dors et puis tu oublies. Oh, tu as reçu des messages cette nuit. Maintenant, comme tu as oublié, là, tu fais comment?
Au lieu de peut-être te dire, bon, ça va revenir, tu commences à paniquer. Et l'ennemi a besoin de la panique pour jubiler. Il se nourrit de ta panique. Or, supposons peut-être que tu ne t'en souvenais pas et tu n'as pas paniqué. Tu laisses donc le canal à Dieu pour trouver un moyen pour venir te dire. Et je mets la priorité sur mes instants de méditation. C'est pour ça qu'être seul le plus souvent est bien. Vous avez des conversations trop vides que vous engagez avec les gens qui ne vous servent à rien. Ce qui fait que même si Dieu veut te parler, c'est pour ça que j'aime ma présence. Et plusieurs fois, par exemple, une fois je me suis éloigné, je suis allé dans une de mes résidences, j'arrive là-bas. Dès que j'arrive en route, en chemin, j'ai l'idée d'appeler un ami. Il lui aussi est médium. Et quand je l'appelle, il me dit, ah tiens, j'ai rêvé de toi hier nuit, je devais te dire. Mais j'attendais de m'installer donc. Il me dit, la veille de mon arrivée dans la résidence, lui aussi on lui a dit de partir en retraite spirituelle. Il s'est retiré quelque part. Et quand il est arrivé, la nuit même où il arrive là-bas, il rêve de moi. Et quand moi, je suis en train d'arriver dans ma maison, je me connecte à lui. Et là, il confirme les choses que depuis 2-3 jours, je me disais déjà. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, à un moment, l'ennemi va vouloir jouer avec le fait que tu ne te rappelles pas de tes rêves. Donc, si tu avais mis la priorité sur peut-être... Parce que dans tes rêves, ils te disent ce qu'ils te disent généralement en journée, mais tu ne prêtes pas attention. Parce que tu es trop distrait, tu as trop peur, tu es trop occupé, tu es trop... tu n'as pas la foi pour recevoir ce qu'il te donne. Parfois, peut-être tu peux ressentir ça, tu dis que il me faut acheter un nouveau terrain. Et... Après, tu regardes ton compte bancaire. Ah, on ne peut même pas. Le soir, là, il y a un maçon qui vient, je dois bien le plombier, vient pour arranger quelque chose chez toi. Et là, le plombier te dit, ah, mais il est temps que tu achètes une nouvelle maison, un nouveau terrain. Le matin, tu as pensé à ça. Ta foi n'était pas assez grande pour recevoir. Et peut-être 2 jours plus tard, quelqu'un rêve, te dit, ah tiens, j'ai rêvé que tu vas acheter une nouvelle maison. Oui, j'ai rêvé, on était chez toi. C'était plus grand, c'était pas comme là où tu vis maintenant. Vous voyez un peu comment Dieu parle, non? Donc, votre cas de rêve, je ne me rappelle pas de mes rêves. Parce que moi, quand j'ai vu le piège du rêve, à un moment, j'ai dit à Dieu, ne me parle pas seulement dans le rêve. Don't just speak to me in my dreams. Si je travaille beaucoup et qu'il y a des périodes où je ne peux pas dormir, j'ai des périodes où je n'arrive pas à dormir vraiment. Oui. Parfois, des périodes, tu es en bataille spirituelle intense. La nuit, tu ne sais pas pourquoi, ton esprit, ton énergie est trop haute. Tu n'arrives pas à dormir. Si Dieu devait te parler en rêve seulement. Par contre, si tu n'arrives pas à dormir, mais tu prêtes attention à ce que ton esprit te dit. Tu fais, je ne sais pas vous dire, j'ai fait que penser à un truc là depuis. Vous voyez, non, c'est comme ça que Dieu communique avec nous. Donc, je déclare la lucidité sur vous pendant ce jour de jeûne. Donc, si vous avez des amis qui veulent entrer dans le groupe, sur ma bio de TikTok, il y a mon numéro. Vous prenez le numéro et ils écrivent pour dire, bon, voilà, je veux entrer dans le groupe. Cherchez vous-même à rentrer dans le groupe. Ce n'est pas moi qui vais forcément venir forcer ou quoi que ce soit. Et quand vous êtes dans le groupe, quand je poste des choses, je vous en prie, lisez. Je donne les heures de prière en avance maintenant. Avant, je ne revenais pas. Donc, généralement, je vous dis, je vais faire la prière dans 15 minutes ou bien on jeûne demain, que vous sachiez. Connectez-vous, ok? Bonne journée de jeûne.